Il est rendu 10 heures, donc Mia l'a mangé, elle a déjeuné, rendu super bonne, elle mange maintenant comme une grande, enfin. Donc moi j'ai commencé par la purée à partir de 6 mois, puis là elle est rendue à 8 mois, puis elle mange tout seul, ça l'a fait vraiment un déclic la dernière semaine. Fait que j'y mets comme des cuillères de yogourt, j'y mets des crêpes, des œufs, en tout cas peu importe, puis pour vrai elle mange super bien, fait que je suis vraiment fière d'elle. Fait que moi je déjeune toujours un petit peu plus tard, là, je me suis préparée comme vous pouvez voir. Puis je me suis fait un bon smoothie et vive. Donc j'ai pris le Asana, je mets lait d'avoine avec, d'habitude je mets une banane, ça coupe un peu l'effet poudré de la protéine, mais pour moi ça me dérange pas, fait que là j'en avais plus. J'ai mis avec ça du yogourt, ça aussi ça l'aide pour la texture et voilà, j'ai mis un petit peu de glace pour que ça soit un petit peu plus froid. Alors, si jamais ça vous intéresse, mon code est toujours valide. Je vous mettrai en barre d'infos. Ça vous donne un bon rabais. Là. Pour vrai, les smoothies vives, ça vaut vraiment la peine. Surtout quand on les prend en ligne, ça vaut plus la peine qu'en épicerie, je trouve, parce qu'on peut vraiment choisir une rondelle de chaque si on veut. Tandis qu'en épicerie, c'est tout le même. Dans le fond, tu achètes un sac puis il y en a genre 10 par ligne, mettons. Fait que voilà, là aujourd'hui je m'en vais au citrouille avec ma soeur, donc avec sa marraine. D'habitude, je vais avec mon chum, mais là, cette année, on s'est comme pris un peu tard. On est rendu quand même. Octobre un petit peu plus avancé, fait que j'aimerais s'acheter des citrouilles pour mon Porsche, puis aussi j'aimerais faire des petites photos, puis ma soeur elle aime full ça, fait que ça va être le fun. Puis sinon ben j'attends mon divan aujourd'hui, il manquait 5 boîtes, donc vous savez je vous ai parlé dans mes stories que j'attendais mon divan, donc j'ai choisi le divan cozy, de Cozy. Avant j'avais le traditionnel là, que je vais vous montrer tantôt. Mais c'est ça, je voulais vraiment un divan plus, tu sais, fluffy pour faire, tu sais, écouter des films, s'endormir dessus, tandis que l'autre, c'était vraiment plus un divan droit. Puis moi, c'est pour mon sol, fait que je préférais vraiment quelque chose de cozy, le nom le dit bien. Fait que là, ils ont sorti le nouveau Cielo, fait que j'ai vraiment hâte de le voir. J'ai 11 boîtes en bas, il m'en manque 5 que je devrais recevoir avant midi. Puis je vais vous montrer comment on achète ça et tout en ligne, c'est vraiment pratique, facile. Puis c'est livré en boîte, fait que c'est super pratique, tu sais, dans le sens où moi j'ai pris un gros L, ça aurait jamais rentré dans ma cage d'escalier, mais là vu que c'est tout en morceaux, ben ça se défait. Fait que même si tu déménages après, ben c'est super facile, tu fais juste les déclipper puis tu peux monter ça en haut. Moi c'est dans mon sol, là, fait que tu peux monter ça en haut puis mettre ça dans un camion de déménagement, fait que c'est super pratique. Je pensais que le gars il était là. Fait que voilà, je vous montrerai, là, j'ai vraiment hâte de l'assembler, puis c'est ça. Alors, t'es-tu contente? Un nouveau vlog? Oui? T'es sérieuse? Oui? En tout cas, fait que je vous montrerai tout ça tantôt, j'ai vraiment hâte. J'ai finalement reçu mes boîtes qui me manquaient pour mon divan cosy. Il est rendu 1 h, fait que je pense qu'on va laisser faire notre projet d'aller aux citrouilles. Je pense qu'on va y aller juste une autre journée où j'irai en fait avec mon chum, bref. Fait que là, je voulais vous montrer comment qu'on commande en ligne, pour vous montrer comment qu'il y a d'options aussi cosy. C'est vraiment le fun pour ça. Vous êtes souvent à m'écrire par rapport à lui que j'avais. Moi, comme j'ai dit, je sais pas si je l'ai dit, mais j'avais le traditionnel, comme lui qui est sorti à la base chez Cozy. Je vais vous dire le nom. Il s'appelle l'original. Donc là, j'ai opté pour le Cielo parce que j'aimerais vraiment ça être plus cosy en bas, plus... genre plus un mood, tu sais, film et tout. Puis l'autre était comme plus vraiment assis droit, donc parfait pour un rez-de-chaussée. Fait que ça va être parfait dans le sol. Alors je vous montre le site. Je vais vous montrer un peu comment on magasine sur le site web. Donc moi, j'ai décidé de choisir le divan Cielo parce qu'il fit mieux chez moi. Je trouve que c'est un modèle que, c'est ça, il allait être super beau dans mon sous-sol. Ensuite, on va aller magasiner la collection. Je vais configurer le mien ici. Donc je vais choisir Cielo. La couleur, j'ai choisi le gris sauge, si je ne me trompe pas. Ensuite, j'ai pris 4x3 comme ça. Puis ce qui est le fun, c'est qu'on peut aller en... Donc, tu peux même voir le sofa dans ton espace grâce à la réalité augmentée. Donc, c'est vraiment tout bien expliqué ici. Puis, moi, j'ai choisi d'ajouter 2 ottomans. Donc, on va l'ajouter ici. Puis, on peut aller revoir la configuration pour être sûr que c'est vraiment ce qu'on veut. Puis, et voilà, moi c'est comme ça, mais moi il y a un ottoman de plus, donc j'ai bien hâte de vous montrer. Donc, c'est vraiment facile, puis c'est livré dans des boîtes, je vais vous montrer après. Ce qui est le fun, c'est que si vous déménagez, ben ça se transporte super bien parce que ça se défait en morceaux. Puis si vous avez une cage d'escalier vraiment étroite comme la mienne, ben vous pouvez opter quand même pour un grand sectionnel, fait que c'est vraiment génial. Donc c'est ça, sans plus tarder, je vais terminer de faire manger ma cocotte qui mange... des painanes avec du mousse, puis je vous montrerai là, les boîtes puis tout ça. Mia joue un petit peu ici, oui.
C'est la salle de jeu, on n'a rien fait encore. On est en processus de faire la petite cuisinette. Mais gang, j'ai toutes mes boîtes. C'est assez impressionnant, merci. Mais vraiment, très bien organisé. Tout est bien indiqué. Donc, toutes les boîtes, là, on a, exemple, les seats, les assises, avec les numéros. Donc, 2, 2, 2, 2. Non, 2, ça n'a pas rapport. Mais je pense, il y a des numéros qui ont rapport, il faudrait que je check. Après ça, on a les coussins, on a l'ottomane. Pour vrai, j'ai trop hâte de déballer ça. Fait que ça ressemble à ça quand vous recevez un cosy. On s'entend que moi, c'est vraiment un énorme sectionnel. Mais si vous avez un plus petit, ça va être moins de morceaux. Mais ça se fait super bien, pour vrai. Là. Comme je dis, c'est sans outils. Donc, super simple. Je vous montrerai comment je vais l'assembler. Il se met debout maintenant. Wow, Mia, bravo! Hey, es-tu bonne? Tellement évolué un mois, ça n'a pas de bon sens. La fille est pas en forme, je suis déjà brûlée. Je pense que je vais attendre mon chum ce soir. Ah, c'est beaucoup de boîtes et d'ouvertures, puis c'est lourd, fait qu'à deux, ça, c'est le best pour vrai, là. Ah, maman, là, je suis chaud, Mia. Vous allez pouvoir, j'ai arrêté un petit peu pour le divan, puis là je me fais un souper full réconfortant. Fait que je fais une un pâteau au poulet, ça fait full longtemps avec des petites patates, puis sûrement des légumes. Là, fait que ça va être bien bon. Il est vraiment tôt, je pense qu'il est comme 3 heures, même pas. Mais je prépare d'avance, comme ça mon chum va arriver et tout va être prêt. Ça vient d'arriver, fait qu'on va continuer, puis on va l'assembler après. Je vais vous montrer comment ça s'assemble, c'est super simple. Comme j'ai dit, il n'y a pas besoin d'outils, fait que let's go! Très rapidement là, comment l'assembler. Donc on a mis toutes les assises, puis on a mis les dossiers. Là on va toutes les clipper un à côté de l'autre. Ensuite on va le lever, on va mettre toutes les pattes, puis on va pouvoir après mettre le L. Fait que c'est super simple. Alors ouais, c'est ça, de gauche à droite. De toute façon, ils ont un super beau vidéo sur internet si jamais vous voulez, là, sur YouTube. Tout est bien expliqué. Le lendemain matin, je vous ai pas vlogué hier soir parce qu'on a fini de monter le divan, puis honnêtement gang, vous êtes pas prêts, il est tellement confortable, on dirait un lit géant. C'est genre le divan que j'ai toujours rêvé, pour vrai, j'en mets pas épais, c'est vraiment là, ça coche, j'ai hâte de vous montrer. Fait que là je m'en vais citrouiller avec ma belle amie Mélissa, donc là je me suis préparée, je vais vous montrer mon outfit. Donc ça me rappelle un peu mon outfit de quand j'étais été au citrouille la dernière fois, là c'est parce que je viens d'allaiter, mais normalement je rentre un petit morceau ici. Puis je vais comme laisser tomber ici comme ça. Donc j'ai mis mes jeans, mes seuls jeans que je mets tout le temps parce que c'est les seuls qui me font. Un chandail de chez Fashion Nova et un chapeau de chez Will & You l'année passée. Puis j'ai habillé ma petite cocotte aussi. Là je l'ai pas attachée, inquiétez-vous pas. Ces petites housies, les petites jeans, un petit chandail de laine, elle ressemble vraiment à moi. Puis elle va avoir une petite tuque comme ça d'un pompon. Alors je me prépare pour aller au citrouille. Je sais pas si je vais vous vlogger là-bas, mais sinon on se repart plus tard, puis je vais vous montrer finalement notre divan. Là, je suis tellement contente, c'est magnifique! Voici notre nouveau divan! Je capote, il est écœurant! Il est énorme! Wow! La qualité, gang, vous comprenez pas! Wow, il est vraiment beau. C'est écœurant. Wow, sincèrement.
Je capote. Puis on aurait pu prendre encore plus grand, mais là, non, là, parce que c'est. Ça prend vraiment littéralement tout le sol, mais. Waouh! Je sais pas ce que vous en pensez. Je le trouve tellement beau. Puis il est vraiment confortable, fait que je suis vraiment contente. L'aimes-tu, toi, le nouveau divan, Mia? Oui! En plus, avec les deux ottomanes, c'est vraiment le fun parce qu'on peut mettre, genre, justement, ça, puis ça fait comme une table. Mais en plus, quand on les colle, je vais vous montrer, ça fait un genre de lit. Voilà, donc regardez les belles soirées cinéma qu'on va se faire ici. On peut juste carrément tout être la famille étendue. Fait que c'est vraiment, vraiment. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé le petit vlog et la présentation de mon divan cosy. Si jamais ça vous intéresse, je vais vous mettre le lien en barre d'infos sur le site web et tout. Donc n'hésitez pas à vous abonner, laisser un thumbs up, puis on se revoit dans un prochain vidéo. Bye la gang!